Bonjour! Bonjour!
Alors bonjour à tous. Coucou Olwyn, bienvenue Olwyn, j'espère que tu vas bien. Et bienvenue à toi. J'espère que ça va. Allez, on est parti pour du Underworld. Jusque 13h. On va essayer de continuer un petit peu d'avancer dans cette histoire. Salut Jim. Coucou Jim, j'espère que ça va et bienvenue à toi également. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oula, pourquoi il y a eu des tirs? Oh bah qu'est-ce qui se passe là? Oh, réputation réduite, comment ça se fait? Oh, il s'est passé quoi là? Qu'est-ce qui m'arrive? Au secours! Oh là là, bah d'accord. J'ai dû faire une action qu'il fallait pas. À mon avis, j'ai fait ce qu'il fallait pas en fait. Mais ils vont tous venir là. Oh là, c'est quoi ça? Non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, tu viens d'être réveillé. Ah bah ça va, tu profites. C'est grasse matinée alors. Bah tu as bien raison, Olwyn. Tu as bien raison. Quand tu peux en profiter, profites-en. Ah moi je suis levé depuis de bonne assez tôt. Moi le matin c'est direction l'hôpital, donc comme tous les jours de la semaine quoi. Ah bah j'ai pas compris pourquoi il m'avait agressé. Qu'est-ce que j'ai fait en fait dans cette histoire? Qu'est-ce que j'ai fait dans cette histoire? Moi j'y suis pour rien, il vient de m'agresser, je me défends. Mais ça va, je peux me libérer. Je peux me libérer un petit peu plus de bonheur par rapport à avant. Avant j'avais pas ces horaires là. J'y vis un petit peu plus de bonheur et comme ça me permet comme ça de streamer un peu plus dans la matinée. Avant je pouvais pas le faire. Voilà. Par contre j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Hein. Franchement, je sais pas du tout. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et... Ah ouais, mais là, je fais du... Pourquoi ça bip? Attendez, j'ai un joie de recevoir un bip dans mon casque. Et c'est dû à cause de quoi, ça? J'ai pas tout compris. Ça va, Jim? Je pense que t'as bien avancé sur... Sur The Underworld. Mon micro grésille. Attends, je vais regarder, je vais couper ça. Désolé pour les oreilles, j'arrive. Alors, je pense que là, ça devrait être mieux. À mon avis, c'est. Ça s'est arrêté. Ouais, c'est un problème avec mon câble de micro. Bon. Attendez, je suis en train de vérifier quelque chose. Est-ce que c'est mieux ou pas, là? Là, ça va, ça a arrêté. Ouais, j'ai dit. Oula, peut-être mon micro sature un peu de trop. Je vais le baisser un peu. Ah, tu l'as fini hier, Martin, Jim? Waouh. Après, t'as joué pas mal dessus, je pense, hein. Quand on s'est croisé, quand est-ce qu'on s'est croisé que t'étais en live? Ça devait être. Ça devait être samedi, je pense, non? Ouais, c'était à l'heure où je partais à la PJW. Ouais, c'était samedi, il me semble. Salut Arnaud! Coucou Arnaud, j'espère que ça va mieux. Et bienvenue à toi. Tant que tu vas un peu mieux. L'histoire principale est courte. Ouais, bon, on verra, hein. Après, on verra peut-être que tout ce qui est les à côté du live, enfin du live, les à côté du jeu. Bah, attendez, non, mais il y a tout le temps quelque chose qui. Maintenant, j'ai un bip dans mon casque. Comment ça se fait que ça bip? Oh non! Mister Bug est de retour. Alors, je vérifie pourquoi ça bip.
Ah, généralement, je. Plutôt que vous me voyez en live. Que vous me suivez en live plutôt. Généralement, tout le temps des trucs qui bug. Maintenant, j'ai un bip qui vient de mon casque. Et je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas tout compris. Ah, t'as fait toutes les quêtes secondaires? Ah, bah en fait, le jeu est pas si long que ça là. Ah, ça va pas mieux, Arnaud. Bah, courage à toi alors. Hein. Soigne-toi bien. Repos, repos, repos. Hein. C'est ce qu'il faut faire tout simplement. Hein. Quand ça va pas, faut. Pas grand-chose à faire malheureusement, à part le repos. Bon, attendez, je vais couper mon casque. Alors, est-ce que c'est bon? Maintenant, le casque il bip. Alors, est-ce que c'est bon ou pas? Là, je l'ai coupé, je l'ai remis en route. Alors. Mes vidéos YouTube sont bloquées? Ah bon? Ah bon, Arnaud? Bah, tu vois, tu me l'apprends. Tu m'apprends que mes vidéos YouTube sont bloquées. Ah bon? Pour quelle raison? Ah, bah, j'ai pas eu de mail. Je n'ai pas eu de mail de. Comme quoi ça avait été bloqué par YouTube. Oh, faut que j'aille voir ça en fait. Alors, le bip de mon casque a disparu, donc ça a l'air d'être bon. Dans le cahier des charges est rempli. Les droits d'auteur. Droits d'auteur de quoi? Alors, j'ai choisi une fin évolutionnaire. Salut guest! Bienvenue guest, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à tous. Ah, peut-être j'ai changé ma musique en fait. J'ai changé ma musique de présentation de début de live. C'est peut-être pour ça que YouTube m'a refusé la vidéo, mon transfert de live d'hier. Alors je comprends pas parce que c'est une musique de libre de droit. J'ai choisi une musique de libre de droit. Il n'y a pas de. Il n'y a pas un droit de spécifique, un droit d'auteur spécifique. Et bah c'est peut-être pour ça que ça passe pas, quoi. C'est peut-être pour ça que le live d'hier n'a pas passé, je sais pas. Est-ce que c'est mieux pour le micro? Dites-moi si c'est mieux dans ces cas-là. On va essayer de continuer. Par contre, là, j'ai pas compris pourquoi dans cette planète-là, j'étais tout simplement. J'ai été agressé. Bon. J'ai pas tout compris, je me remets dans le jeu depuis. Quand est-ce que j'y ai pas joué? Bah, depuis vendredi, je pense. Depuis vendredi matin, j'ai pas eu l'occasion d'y rejouer. Extermination du conseil. Alors, attendez, là, je pense qu'on va essayer de voir pour démanteler, tout simplement. Hein. Ouais. Bah, de toute façon, ils ont tout partout les mêmes stats, donc on va démanteler. Voilà. Voilà, bah, je pense que c'est peut-être par rapport à ça, au niveau de ma musique, ma nouvelle musique que j'ai mis en présentation de la début de live. C'est peut-être pour ça que YouTube a certainement refusé ma vidéo. Bah, il va falloir que je la change alors. Bah, ils nous embêtent un petit peu avec leurs droits d'auteur. Alors que ce que je comprends pas, c'est que musique, c'est une musique libre de droits d'auteur et ils me le refusent. Bon, je comprends pas très bien. Alors peut-être que c'est peut-être aussi la musique. Du jeu, hein, Need for Speed, Hit. Peut-être que ça, c'est peut-être pour ça que ça a été refusé aussi, hein, je sais pas, j'en sais rien. Bon, c'est pas grave, si c'est refusé, c'est pas grave. À YouTube, de toute façon, ce sont que des replays. Mais il va falloir que je trouve une solution pour ça, quoi. Ça, c'est quoi? Niveau 73, niveau 12. Alors, je vais peut-être voir pour réparer tous mes équipements. Voilà. On va faire comme ça. Donc ça c'est quoi? 261 niveau 14. On va essayer de re regarder un petit peu au niveau des stats. Bon, j'ai pas des armes de folie. Hein. Là c'est niveau 1, on va pouvoir démanteler. Voilà. Alors le succès équipe. J'avais toute l'équipe que j'ai fait. Ah, t'as fait toutes les quêtes compagnons. D'accord, ok. D'accord, j'essaie de te lire comme je peux, Jim. La tablette, sur tablette, c'est pas top top.
J'essaie de vous suivre comme je peux, désolé. Je suis pas bien réveillé non plus, alors que je suis réveillé depuis de bonne heure. Mais le réveil a été compliqué ce matin. Très 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 compliqué. On va pas passer, quand tu passes pas une bonne nuit, qui est obligé de te lever de bonne heure pour quand t'as pas trop le choix. Et après la matinée, au niveau en fin de matinée, c'est ça se ressent. Voilà. Ça, je vais le démanteler également. Ah, c'est bien pour le succès, c'est bah, GG Jim. Tu as pas encore fini toi Arnaud? Bah t'as pas mal, t'as entamé pas mal de jeux aussi. J'ai vu que t'avais fait pas mal de jeux. Alors attendez, on va essayer de reprendre. Non, c'est pas ça. On va essayer de reprendre. Alors attendez, comment on fait déjà? Ah ouais, pour le. Concernant l'armure. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça qui me propose au niveau de l'armure. Niveau 13, 31. Niveau 8. Type d'armure, science plus 3. Attends, là je suis dans les casques, là ça n'a rien à voir. Alors ça je vais les rajouter au rebut. Ouais, je vais les rajouter au rebut. Voilà. Alors au niveau des casques, j'ai du 29 niveau 12. 21 niveau 13. Ok. Ah ici par contre j'ai oublié de rajouter. C'est pas facile de se remettre dans le jeu après quelques jours d'absence. Oui, The Witcher 3, c'est ça, Arnaud. The Witcher 3, je l'ai sur PC, j'y ai jamais joué. Et c'est, mais c'est le problème, c'est que ce jeu-là, il faut pour un bien, quand tu commences à y jouer, faut tout le temps y jouer, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faut pas le laisser de côté. Il est tellement, tellement long ce jeu que si tu t'amuses à si tu joues une semaine et après tu le mets de côté, tu vas, c'est pas évident de. Bah c'est pas évident de se remettre dans le jeu parce qu'il est. Il est tellement. Il est bien, il est très bien The Witcher 3. La renommée de ce jeu n'est pas à faire de toute façon. C'est un jeu vraiment qui est plutôt pas mal. Pour les passionnés de ce genre de jeu. Qu'est-ce que je peux mettre en fait? Comment ça marche déjà ça? On va mettre une petite seringue. Et du spray, voilà. Après le reste, donc ça c'est bon. Ça, ce sont quoi ça? Des clés de contournement, des pièces d'armure, des crochets magnétiques. Ça, ce sont les rebuts, d'accord. Alors là, c'est la carte. Alors j'ai pas compris pourquoi je me suis fait agresser en arrivant comme ça dans cet endroit-là. J'ai dû faire ce qu'il fallait pas. J'ai dû prendre une décision qui fait que, ben voilà quoi. On me tire dessus. Ah, il y en a un qui a perdu un bras ici. Ouais. Il y en a un qui a perdu un bras. Alors tout compte fait, le jeu n'est pas si long qu'on pourrait croire. Alors, Jim. J'ai cru qu'il aurait été beaucoup plus long, tu vois. J'ai cru qu'il aurait été beaucoup plus long. Alors maintenant, mon attention se porte sur Death Stranding et Star Wars. Fallen Order. Il sort quand le Star Wars? Parce que j'en ai entendu parler. Et également, il a l'air pas mal d'ailleurs ce prochain Star Wars. Alors, The Death Stranding, vous aurez l'occasion de le découvrir. Bah, il n'y aura pas que sur ma chaîne parce qu'il y en a plein qui vont certainement le streamer. Mais à partir de la semaine prochaine, je partirai sur ce jeu. Sur Death Stranding. On verra bien. J'espère que je ne serai pas déçu. J'espère que je ne serai pas déçu du jeu. On verra, hein. De toute façon. Généralement, c'est assez rare que quand je fais un achat au niveau d'un jeu vidéo, qu'il y a de la déception derrière. Voilà, tout simplement. C'est assez rare. Alors, ici. Je sais pas trop ce qu'il faut faire. J'ai pas de compagnon, par contre. Pourquoi j'ai pas de compagnon? Je suis parti tout seul en solo. Oh, une poule! On peut parler à la poule, regardez! Poupoule! Viens ici, poupoule! Ah non, ma tablette se coupe! Mais c'est pas possible! Maintenant, c'est ma tablette qui se coupe! Oh, mais c'est incroyable! Quand je vous dis qu'il y a tout le temps des bugs chez moi, ben la preuve en est, ma tablette se coupe!
Pourtant, j'ai rien déréglé au niveau du système d'affichage. Hein. Ah, mais c'est pas vrai. Alors, hier, c'était l'onduleur. Il y a tout le temps quelque chose. Mais c'est pas possible, ça. Alors, attendez. Maintenant, il faut que je regarde pourquoi ma tablette se coupe. Alors que hier, là, elle s'est jamais coupée. Pourquoi elle se met en veille? Ah, la technologie, l'informatique, que voulez-vous? C'est comme ça. Faut être patient. Alors, attendez, pourquoi ça fait ça, en fait? Ça va être quoi, après? Ça va être mon onduleur qui va dire attention sur tension? Désolé, je vous reprends après. Hein. Ah, voilà, alimentation est mise en veille. Bah oui, en cas de branchement sur le secteur, éteindre tous les 15 minutes. J'ai jamais programmé ça, mais bon. Je ne sais pas pourquoi il a décidé de tout changer. Alors attendez, faut que j'arrive. Parce que avec la souris, c'est pas. C'est pas top, top, top. Voilà. Hop, voilà. Nickel. 9 sur 10 sur Canard PC. Ouais, après, c'est des avis de journalistes. Je me fie pas trop aux avis de journalistes ou de spécialistes du jeu vidéo. Mais bon, on verra bien. Moi, je pense qu'à mon avis, je vais découvrir une bonne expérience. Alors, en fait, apparemment, ici, dans ce secteur-là, je suis hors la loi. Parce que vous voyez, tout ce que je peux récupérer... C'est considéré comme du vol. Alors ça, c'est pas bon pour moi, la réputation. Alors, acheter la clé de navigation pour Stella. Je suis sur quel type de mission, en fait, là? Je suis sur quel type de mission? Alors, attendez. Là, je suis sur la... Ah ouais, il y a la quête de compagnons. Donc ça, c'est rien à voir. Fouiller le domicile de Zoé pour trouver des indices. Les armes du grand vide. Tu te fies généralement au niveau des critiques. D'accord. D'accord, Jim. Alors, du coup... Parce que j'ai encore cette fameuse clé à acheter... Clé de navigation pour Stella B à Gladys. Oh, qu'est-ce que je vais prendre, moi? Alors, chercher les indices. Le terminal parle de recherche des marchands du marché noir sur le percurseur. Nanana, apparemment, il y a déjà réussi à trouver des objets rares en passant par ces intermédiaires. C'est procurer les registres ou les archives de ces vendeurs pourrait donner des indices sur l'endroit où trouver les armes puissantes. Bah, je prends quoi? Ah, attends. Attends, Jim. Apparemment, je sais pas ce qui s'est passé. Je vais regarder ça tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, c'est parce que tu as mis peut-être un lien, donc ouais, évite les liens surtout, parce que, ben voilà, du fait qu'il n'y a pas de modo, là je suis au niveau sécurité, je suis vraiment au plus haut, donc ça c'est le souci. Ça c'est le souci, alors comment je vais faire pour te déban? Ben non, je vais pouvoir le faire d'ici. Comment ça se fait, je peux pas le faire du chat? Ah, d'accord, il a considéré, je t'ai bien débanni, attends, alors attendez, bannir, bloquer, non, c'est bon. Bon, apparemment, sinon tu peux remettre. J'écris moi-même. D'accord, Jim. Ouais, évite les liens surtout. Ouais, du fait qu'il n'y a pas de modo, je suis au niveau sécurité, je suis vraiment plus haut. Au niveau des bots, donc ouais, faut faire attention à tout ce qui est majuscule, etc. Ah ouais, c'est Bobot en plus. Bon, Mobot, il est un petit peu tatillon. Tu voulais mettre un lien, Jim, c'est ça? Bah, faut que je te donne une permission, là. Hein. Comment on fait, déjà, pour donner une permission? Comment je peux te donner une permission de... Alors, attends. Je vais regarder.
Moi, je sais plus, hein. Moi, il y a longtemps que j'ai pas donné la permission de donner des liens. Je sais plus comment on fait. Je sais plus comment on fait. Ouais, tout bon, ça va, t'as été exclu que 10 secondes, hein. Mobot, il me dit que c'est que 10 secondes. Ok, bah c'est pas grave. Ouais, depuis 2015, Arnaud, merci pour votre fidélité. Il y en a plus beaucoup qui sont fidèles à la chaîne d'ailleurs, hein. Beaucoup qui ont quitté le bateau d'ailleurs. Beaucoup, beaucoup qui sont partis voir ailleurs et où j'ai plus de nouvelles, où ils sont complètement une follow, quoi. Voilà, bon, c'est une roue qui tourne, c'est ça Twitch. C'est comme ça. Voilà, malheureusement. Non, mais t'inquiète, Jim, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci à avoir. Voilà, je vais pas te tirer les oreilles pour ça. Il n'y a pas de souci. Depuis tant que tu viens sur les lives, que ce soit Halloween ou Guess ou tout ça, il n'y a pas de problème. Je sais comment vous êtes. Vous êtes correct sur le chat, donc il n'y a pas de problème si vous voulez. Pas de souci à avoir. Non, non, mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que je prends comme mission d'après Jim, j'ai besoin de ton avis. Dis-moi un petit peu ce que je peux prendre comme mission. D'après toi. Est-ce que je continue à chercher les indices au niveau des armes? Après, j'ai les esprits bienveillants. Je demande. Ah, mais c'est pas vrai. Alors, attends, je vais faire autoriser. Voilà. C'est pas possible, je t'ai autorisé. Je t'ai mis. J'ai mis ton stream sur mon chat. Ah, t'as fait un host, Arnaud, c'est ça? Ah oui, t'as fait une commande. Bah là, ta commande de chaîne, maman, tu l'as encore. Je pense que je sais plus les commandes où ils sont. Je pense que tu l'as, ta commande de chaîne aussi, Arnaud. Hein. Enfin, je vais regarder. Et tellement longtemps que je ne les ai pas utilisées, je pense que ça doit être ça, ta commande de chaîne. Ouais, voilà, tu vois, elle est encore sur le live. Hein. Voilà. Voilà, je pense que c'est bon, Jim. Vas-y, essaye pour voir. Est-ce que je t'ai donné la permission? Voilà. Je sais pas ce qu'il vous fait un petit peu le. Voilà. Donc ça c'est bon. Alors du coup. Donc Jim, s'il te plaît, dis-moi un petit peu ce que je peux prendre d'après toi. Je compte sur toi pour me donner la. Au niveau des missions. Attendez, le jeu quand même pas plan. Ah non, j'ai plus de batterie. Ah mais non, c'est pas vrai. Ah mais je vous jure, c'est pas possible. Maintenant j'ai plus de batterie. Mais au secours. Mais aidez-moi, c'est pas vrai. Ah, je comprends pas, ma batterie d'hier elle est encore bonne. Je l'ai utilisée qu'une journée, même pas une journée. Le live d'hier, hier après-midi, j'ai fait que 3 heures de live. Même pas 3 heures, et ma batterie est déjà foutue. Mais c'est pas vrai. What? J'arrive. Je vais chercher une batterie. À tout de suite. C'est insupportable. Allez, voilà, re tout le monde, ça va, tout est à proximité, donc ça va. Il y a tout le temps une batterie qui est. Une deuxième batterie qui est déjà chargée. Mais quand je vous dis, quand c'est pas fait pour marcher tout de suite, c'est. Voilà que je fasse un check-up complet, vous savez, comme les pilotes d'avion. Faire voir, revérifier tout ce qui fonctionne de ce qui fonctionne pas avant de lancer mon live. Oui, alors Jim, du coup, dis-moi qu'est-ce que je peux prendre comme quête? Ah, où je repars sur le passeport de l'aventure? Acheter la clé de navigation pour Célabé. Alors là, je sais pas si j'ai assez d'argent, assez de flouze, on va dire. C'est des octoses. Voilà, ils demandent 10 000 octoses. Donc voilà, je sais pas si j'en ai assez. Et sinon, je continue peut-être de rechercher cet indice. Je sais pas du tout. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses, Jim? Toi qui connais le jeu. J'ai besoin d'un petit peu de conseils là-dessus pour pas partir un peu n'importe où. J'ai bien remis mon micro. Ouais. Voilà, le micro il fonctionne. Oui, c'est bon. Il grésille plus. Tout compte fait, j'ai pas vraiment avancé pour l'instant.
Alors, déjà, Roseway, t'as un de des labos là où. Il y a la pièce de Sam. Il faut que je retourne sur Roseway, c'est ça? Alors, attends, Roseway, ça parle de Roseway. Alors, attends, c'est où Roseway? Journal. Donc, il faut que je retourne. Dans un labo, là où tu as tué tout le monde. Il y a l'IA de... Ah oui, c'est le compagnon Sam. C'est ce fameux robot, c'est ça? Roseway, je sais plus où ça se trouve et je sais plus comment on fait pour y aller. La carte. Région, voilà. La région. Alors, attends, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? Alors, je suis un peu perdu, hein, désolé. Il faut se remettre dans le, au goût du jour. Ah oui, bah je suis à Roseway là. Donc, je suis à Roseway. Eh, bah c'est pas ça. Ça c'est un marchand. Ah, oh, bah on va retourner sur Roseway. On est sur Roseway. Voilà. Alors ici, Roseway doit être ici. Lui, il va pas me tirer dessus. Il bouge pas. L'IA de combat de chez Phineas IA avec la discussion et l'arme est posée sur la table. Donc ça va vite. Donc là, ici, je suis bien Roseway, on est d'accord. Hein. Si j'ai bien compris... Oh là 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 là, je suis perdu. Il dit ça. Oh, il me tire dessus. Pourquoi tu me tires dessus? On vole, tant pis. De toute façon, la réputation est faite. Ma réputation est faite. Je m'en fous. Je suis. Je me suis fait prendre. Je sais pas pourquoi j'ai une réputation. Est-ce qu'il fallait vraiment attaquer ce. Oh, c'est quoi ça? Oh, je vole. Allez, tant pis, je vole. Je suis un voleur. Hein. Oh là, ma réputation m'en prend à un coup. Je sais pas comment ça va se passer pour le reste de l'histoire. Mais je pense que ça va pas être joli à voir. Ouais. À mon avis, ça va pas être très beau à voir. Ah, dès que j'ai fini le massacre. Ok. Faut finir le massacre, ok. Et ça, ça fait partie de la mission. C'est moi qui ai mal géré. Dites-moi si j'ai fait des bêtises hein, ou pas dans le jeu. Dites-moi si j'ai fait ce qu'il fallait pas faire. Ah, regardez, il y a un établi ici. Waouh, j'avais pas vu qu'il y avait un petit établi. Alors, on part pour l'établi. On va regarder si je peux pas installer des modifs. Non. Non plus. Alors, attendez, qu'est-ce que je vais faire? Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi, ça? Bon, ça, on va le démanteler. Ça, c'est 165 niveau 9. Ça, c'est pareil. Alors, par contre, ce couteau a l'air pas mal. 400 dégâts par seconde. 400, c'est énorme. Ça, je le garde. Et ça, c'est quoi? Niveau 12. Ah ouais, ils vont me détester, d'accord. Ah, bah, c'est pas grave. De temps en temps, c'est bien qu'on me déteste. Je voulais tuer, d'accord. Merci pour tous vos explications et votre patience surtout. Pas tout le temps évident de reprendre le jeu en main et voilà quoi. Et pas tout le temps facile. 560 niveau 14, ça c'est quoi? Ça c'est une arme de corps à corps. D'accord. Alors, bricolage. Ça consiste à quoi, en fait, ça? Bricolage. Ah oui, d'accord. Ça sert à rien, tu m'as dit. Excusez-moi, c'était pas la peine de s'embêter à mettre des pièces dessus. À améliorer les stats. De toute façon, après, par la suite, on m'avait dit ça, par la suite, tu vas récupérer des armes de meilleur niveau. D'accord. Donc, le bricolage, on laisse tomber. Ah, ici. Est-ce que je... Non, les modifs, je peux pas. Donc, c'est pas ça. Ok. Alors, du coup. Bon, parce que je pense que c'est bon, hein. Bah, on va pas trop s'éterniser sur tout ça. Allez. Ah, bah, sauvegarder quand même. Voilà. Hop. Ça, c'est quoi ça?
Non, mais je vais pas dormir. J'ai pas le temps de dormir, moi. Allez, on va prendre deux. Oh, bah. Oh, mais tu vas mourir, oui. Tiens, prends ça. Tiens, prends ça également. Oh là 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 là, bande de sauvages. Ah, ils m'ont fait peur. Ils m'attendaient juste à la sortie de la pièce. Ils m'ont fait peur. Il y a un bâtiment un peu en dessous de ton vaisseau, d'accord. Bah, je vais faire un peu le tour là. Comme tu m'as dit, on va faire le grand nettoyage, donc je vais faire un petit peu le tour, voir un peu ce que je peux récupérer. C'est quoi ça? C'est quoi ce... Oh, ils sont tout mimi! Ils sont tout mignons! Ouais, trash. Alors. Surtout récupérer tout ce que je peux récupérer dans cette base. Lui, il va pas me tuer, lui. Non, c'est un scientifique, donc faut pas le tuer. Alors, ça c'est quoi? C'est le tiroir caisse. Transféré, d'accord, ok. Ça, c'est un jeu de... Ok, voilà. Allez, on fait le tour. Alors, tu m'as parlé de mon vaisseau. Alors, je pense pas... Je pense pas que j'ai dû aller visiter ce bâtiment-là. Carré sur la carte, d'accord. Bah, j'irai voir Jim. Je vais aller voir. Là, ici, je suis déjà venu. D'accord. Les poupoules. Un petit poulet rôti. Ça vous tente? D'accord. En fait, même si tu... Oh non, il y a du drop. J'ai des pertes d'image, désolé. Non, mais je pense que ça va encore être le live de la loose, hein. Le live où il y a encore y avoir des problèmes, comme hier en fait. Hier j'ai eu que des problèmes, problèmes de techniques, et aujourd'hui on est reparti pour la même sauce. Voilà. Un petit poulet rôti pour ce midi, allez hop. Et en plus on gagne de l'XP en tuant les poulets. C'est pas merveilleux ça? Oh les pauvres. Ah, ils sont complètement déchiquetés en fait. Bande de sauvages. Martinez est balayé en cendres, hein. Regardez. Non, il en reste plus du Martinez, hein. Il est parti en cendres. Ah, mais ça drop. C'est pas possible d'avoir... Je peux pas avoir un live qui fonctionne correctement de temps en temps, s'il vous plaît. C'est pas possible chez moi, ça. Maintenant, j'ai du drop. Alors, attendez. Pourquoi ça drop? Ah, je vous jure, il y a des moments où il faut avoir de la patience. Hein. Quand je commence à lancer un live, je comprends pas. Il peut pas y avoir un live sans... Quand je fais un live, que ça fonctionne directement. Et ça, c'est assez énervant. C'est assez énervant. Ellie qui est... Ah, c'est un infirmier, une infirmerie. Ellie, ah, d'accord, est à l'infirmerie. On ira voir ça. Attendez, je vérifie pourquoi ça drop. Ah, oh, mais c'est pas vrai. Après, ça va être quoi? Ah, bah, ça va peut-être la surtension d'hier, en fait. Hier, j'étais embêté par mon surtenseur. Enfin, surtenseur, mon onduleur, plutôt. Voilà. Je vérifie. Pourquoi ça drop comme ça? Pourtant, j'ai rien changé. Hein. Je n'ai rien changé au niveau de mon live. Et pourquoi j'ai du drop, je n'en sais rien. Bon. Bon, 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 bon. On va continuer. Si vous voyez que ça drop de trop, n'hésitez pas à me le dire. Si c'est pas... Si le lave n'est pas... Oh! Oh! Qu'est-ce que je vais récupérer ici? Qu'est-ce que je récupère de beau? Alors, ici, ça c'est quoi? Rien d'intéressant. Rien d'intéressant non plus. Ok, voilà. Alors, ici. Ah non, j'ai pas le... Je peux pas le pirater, malheureusement. J'ai pas le composant qui va avec.
Utiliser le terminal. Alors ça c'est quoi? Tati Cléo. Verrouillage de sécurité. À tout le personnel, veuillez regagner votre poste de travail. Merci de signaler tout comportement anormal ou responsable de sécurité le plus proche. Voilà, pour tout ce qui est comportement anormal, il faut recontacter le responsable de la sécurité. D'accord. Alors là, c'est pour du fichier personnel. Alors, ce sont le journal. Alors, je vais pas tout vous lire, hein, voilà. Est-ce que ça passe bien pour l'instant? Oui, ça a l'air d'être bon. Gestion uniquement. Voilà, ok. D'accord, ok, bon. Alors ici, on va aller faire un tour dans les toilettes. Hein. Ok, voilà. Là on est bon. Alors, vous avez découvert un établi. Ben, c'est merveilleux. Oh, y'a quoi là-dedans? On va vider le frigidaire, bien sûr. On va pas le laisser rempli, hein. Voilà. Ici, c'est quoi? Ok, ça c'est... le marchand. Bon, on peut pas vendre. Pour l'instant, l'option vente, je l'ai pas. J'ai pas cette option-là, je n'arrive pas à le débloquer. Ça, c'est un peu dommage. Je pense qu'on me l'avait dit, ce qu'il fallait faire pour l'option, pour pouvoir vendre au distributeur. Ben bon, pour l'instant, je sais plus comment il faut faire. Tout simplement. C'est un peu dommage. Bon, c'est pas grave. Là, il n'y a rien à faire. Oh, une affiche. Avis de recherche. Bah sinon, Jim, t'as bien aimé le jeu lui-même. Je pense que t'as pas dû être déçu, à mon avis, si tu l'as fini. Donne-moi un petit peu ton ressenti sur ce... Underworld, j'arriverai jamais à le prononcer. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu as passé vraiment, vraiment un bon moment dessus? Est-ce qu'il faut vraiment le coup pour... pour ceux qui ils seraient vraiment éventuellement intéressés pour l'acheter? Hop. Hop. Ouais, il est sympa, voilà. Il est sympa, mais il n'est pas non plus révolutionnaire, hein, bien sûr. C'est pas ça sera pas le jeu de l'année, hein. Mais merci d'ailleurs à Game Pass, hein, Xbox Game Pass, de l'avoir mis dedans. Ça me permet de le découvrir sans vraiment dépenser trop d'argent, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'il est, il est jouable. C'est une expérience à vivre sur ce jeu. Ouais, non, mais il reste sympa, mais voilà, c'est pas transcendant non plus. Voilà. Alors, ici. Alors, ici, on récupère tout ce qu'on peut récupérer, comme d'habitude. C'est les affiches. Ouais, l'histoire est prévisible, d'accord, ok. Tu sais un petit peu à l'avance ce qui va se passer, quoi. Par rapport à tes choix. Je sais que les choix, ils sont assez influenceurs au niveau des choix, mais tout compte fait, par rapport à tes réponses, même si ta réponse est bonne ou l'est pas bonne, ou mauvaise, t'arrives tout le temps à peu près au même but, quoi. Voilà, si j'ai bien compris. J'ai l'impression que ça se passe un peu comme ça, voilà. Prévisible, tout simplement, ouais. Bon. Alors,
Ici. Est-ce que ce bâtiment-là, je l'ai fait? Non, je peux pas y rentrer. Ok. Ouais, là, je suis déjà venu. Bah, je pense qu'on a fait le tour, hein. Bah, ça a de l'impact. Je suis pas persuadé. Je suis pas persuadé à 100% que le choix, les choix que tu peux faire, ça a un impact vraiment, vraiment au final. Au final de l'histoire. Je ne sais pas. Après, je dis ça, j'ai pas fini le jeu, hein. C'est comme tu dis, c'est oui et non, voilà. Ouais, ils ont, voilà, ouais, les alliés seront pas les, n'auront pas les mêmes fonctions de choix. Ouais, c'est, y a que ça que ça peut impacter. Y a que sur ça que ça peut impacter, je pense. À mon avis, si j'ai bien compris le principe du jeu, je pense. Alors, attendez, fusil tactique. Oh, on a de l'armure de d'élite, soldat d'élite. On a de l'armure de soldat d'élite. Regardez si je peux pas m'équiper de ça. Alors attendez. Alors ici. Ah, non, c'est pas ça. Inventaire. Est-ce qu'on peut pas. 19, niveau 12. 31, niveau 13. Qu'est-ce que je prends? Alors, armure lourde, parade plus 5. Compétence de furtivité moins 5. Qu'est-ce que je peux prendre? Est-ce que je peux pas prendre celle-là? Cette armure-là qui est de niveau 12. Je prendrais bien celle-là. Standard, compétence de dialogue plus 5. J'en sais rien, je ne sais pas quoi prendre. Alors celle-là, allez, de 30, niveau 31, niveau 13. Ah non, je descends de niveau en fait, donc on va pas changer. Bon, on va rajouter rebut, on ne change pas, on garde. Niveau 12. Hop, ça c'est pareil. Standard, inspiration plus 3. Hop. Ouais. Alors, du coup. Alors. On va réparer tous les équipements. Ah, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Alors, au niveau... là, j'ai une arme de 231 de niveau 6. Là, c'est quoi? Niveau 8. Eh ben, on va changer cette arme-là. On va la retirer. Et prendre... Là, j'ai du 400 par seconde en dégâts. C'est énorme. Ouais. Arme longue, 24 x 8 en dégâts. Légère. On va tester celle-là. On va la démanteler. 400, niveau 10. Pas terrible, il est pas terrible cette échine d'officier. Hein. Pas top top. Ouais, bon. Allez, on y va. Jardin de Roseway. Après, le jeu lui-même est beau, hein, il est magnifique, hein, graphiquement, il est plutôt pas mal. Alors, attendez, je vais regarder au niveau de ma carte. Qu'est-ce que ça me dit? On peut faire un voyage rapide. Je suis perdu. Parce que là, je repars sur quoi, en fait? Tu m'as parlé de ce fameux Sam, la pièce à récupérer chez Sam, et c'est à Roseway, mais là je vois pas où.
Dans quel bâtiment, par où je passe? Là, il faut que tu m'aides, Jim. Il faut que tu m'aides absolument. Parce que là, je repars dans mon vaisseau. Ouvre la carte, d'accord. Désolé, attends, je vais ouvrir la carte. La carte, elle est ici, voilà. Là, on est dans le jardin. Le jardin de Roseway. Ici, mon avis, ça, c'est mon l'accès à mon vaisseau. Voilà, je vais peut-être zoomer ou dézoomer. Comment on fait? Voilà, oui. Ok. Voilà, voilà l'ensemble de ma carte. Ici, j'ai quoi? J'ai un espace de stockage. Là, j'ai une machine de déforestation. Ici, j'ai le labo secret. Est-ce que ça serait ça? Le labo secret. J'ai l'enclos de Raptidon. Et là, j'ai un labo tatibiotique en voyage rapide. Est-ce qu'on est au bon endroit pour cette fameuse pièce qui me manque pour utiliser Sam, mon compagnon? Labo secret de droite. De droite, je vais arriver à le dire. Alors, attends. C'est celui-là, là. Ici, en bas à droite. On est d'accord. Juste en dessous du vaisseau. Alors, le vaisseau. Alors, attends, ça, c'est un espace de stockage. J'ai un labo secret ici. Jim. Oh, je cherchais après ton pseudo, excuse-moi. Oh, les trous de mémoire, c'est horrible. Dis-moi si c'est bien celui-là, avec le décalage de Twitch. C'est celui-là, dans celui-là, espace de stockage. D'accord, ici. Eh ben, on va faire un voyage rapide. On y va. Merci, Jim. Oh, on a du monde. Regardez. On a de la compagnie. Donc, l'espace de stockage est là. J'ai pas de compagnon. Alors, pourquoi j'ai pas de compagnon? Je m'en souviens plus. Bah, je me souviens plus pourquoi j'ai pas de compagnon. Donc là, on va devoir y aller en mode sauvage et bourrin. On n'a pas trop le choix. Alors, attendez, je vais m'éloigner un peu. Oui. Ah, je fais pas mal de dégâts avec cette arme-là. Non. Oh là 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 là. Je vais prendre un petit peu de dégâts. Alors on va reprendre du lourd. Voilà. Ah. Faut tout le temps recharger avant. Là aussi. Au niveau soin, qu'est-ce que ça dit? On n'est pas trop mauvais. C'est un peu dur à tuer. Alors je sais que le compagnon Sam sera très 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 utile pour la suite de l'histoire. C'est ce que tu m'avais dit, hein. Voilà, on a fait le grand ménage. Ok. Bon, ça va, XP a l'air de fonctionner. Voilà, il reste plus que des cendres du vandal des maraudeurs. Allez, on recharge. Tu rentres dans le bâtiment, il y a une réserve et les pièces à poser en bas de l'étagère. D'accord. Récompense pour service rendu à l'entreprise du site d'assaut. Ok. D'accord. De l'adréno. Voilà.
Là, on n'a plus rien. Donc, faut rentrer dans le bâtiment. Un petit collier. Par contre, vous voyez, la sensibilité au joystick, c'est pas top top. Hein. Ouais, pas mal de difficultés. Puis en ce moment, là, au niveau de mes... les douleurs au niveau de mes bras et de mes mains, c'est horrible. Par chez moi, on a énormément de pluie. Et c'est un... ça n'arrête pas. Donc après, derrière, moi, je le ressens. Hein. N'oubliez pas, Tati a toujours raison. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Hop. Responsable des locaux pour les trois installations. D'accord. Sortie. Nanana. Blablabla. La situation est hors de contrôle. Verrouillez les portes et restez. D'accord. Ok. Ouais. Ah, qu'est-ce qui se passe depuis les plus de 60 ans? Qu'est-ce qui se passe exactement? Les effets secondaires. Taux d'apparition des effets secondaires 5% monte à 15% chez les plus de 60 ans. Bah d'accord, ok. Je vous rassure, j'ai pas 60 ans. Hein. Dans 10 ans, j'ai 60 ans. Quand on imagine, ouais, 10 ans, c'est pas, ça passe vite. Mais on n'y est pas encore, hein, bien sûr. Hein. Allez, c'est bon. Ah, c'est quoi ça? Allez, prends-le. Oh, j'arrive pas. Mais. Je suis pas bien dirigé. Voilà. Alors, ici. Là, on n'a rien. Ici, ce sont les toilettes, comme d'habitude. Là, il y a un distributeur que je ne peux pas utiliser. Réfrigérateur. Tu rentres dans le bâtiment, une réserve et la pièce est posée en bas d'une étagère. D'accord. En bas d'une étagère. Alors, est-ce que c'est cette étagère-là? On dirait que je suis déjà venu ici, en fait. Ouais, on dirait que je suis déjà venu. Je sais pas, ça me dit quelque chose. Oh, oh, on a un robot quelque part là. Il y a un bruit un peu suspect là. Ici. C'est qui c'est là? Sentinelle automatique. Mm-hmm. Non, bah il ne sert à rien lui. Ici. Ah! Regardez le gros plan. Le gros plan de... la porte verrouillée des cuisines. Allez là la réserve. Alors regardez, je vous ai fait un gros zoom de un gros zoom sur voilà. Bon appétit. Non je rigole. Je rigole. Je suis désolé, j'ai pas zoomé exprès sur ça. la cuisine. Alors tu m'as parlé de la cuisine. Alors attends. Ça c'est quoi ça? Ça c'est pour ressortir. La cuisine, la cuisine, la cuisine. Allez. Cette fameuse cuisine. Alors, ça, c'est la cuisine. C'est là où elle est, la réserve. Ah, mais je peux pas y aller, gars. C'est bloqué, Jim. C'est en fait, je peux pas y aller. J'ai pas le badge, on dirait, non? J'ai pas tout compris. Est-ce que c'est cette réserve-là ou pas? Est-ce que c'est cette réserve-là? La pièce est derrière cette porte. Ah ouais, mais le problème c'est que j'ai pas la... Je sais pas, il manque un élément, je sais pas ce que c'est. Oui, oui, re-oui. Ah ouais, mais j'ai pas. Faut la... Bah, elle se trouve où alors, du coup? Donc c'est bien la pièce là. On confirme, c'est bien cette pièce là. D'ailleurs, on a des ennemis, vous voyez, en haut, la barre du haut... indique bien qu'il y a des ennemis, hein. Il reste des ennemis. Mais le problème c'est que j'ai pas ça. J'ai pas ce badge. Ah, il faudrait être bon en crochetage. Ouais, mais je peux pas, regardez, je peux rien faire. J'ai pas le pouvoir de crocheter.
pouvoir de piragage est mauvais, donc bah qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Ouais, faut avoir le badge, voilà, ça se confirme. Et le badge, on le récupère comment? En montant le pouvoir de piratage, faut le chercher quelque part. Le badge, c'est pas un endroit où il y a quelqu'un qui était enfermé dans une prison. Comment elle s'appelait déjà? C'est pas Gladys? Non, c'est pas elle. C'est pas elle qui fournit ce badge. Bah, je suis bloqué, hein, les amis. Hein. Toi, t'as crocheté. Ah ouais, mais moi, je suis pas les rois du crochetage. C'est ici, je dois rentrer à l'intérieur. Laissez-moi rentrer. Bon, bah, on est bloqué. Hein. Bah, je vais faire une autre mission, tant pis. Hein. Peut-être que par la suite, ça va me débloquer le pouvoir de pirater ou de crocheter. Je sais pas du tout. Mais je sais où il est. Dans le pire des cas, je sais où il est. Bon, bah on est mal parti. On est mal barré là, malheureusement. C'est pas maintenant que je. Voilà, j'avais pas vu arriver celui-là. Je t'avais pas vu arriver lui. Ok. Bon, là ça va. Pour l'instant, du live, tout se passe bien. Fouille un peu et. Peut-être regarde que le badge est quelque part. On va fouiller, on va fouiller. Si j'ai que ça à faire de toute façon, faut que je me focalise absolument sur ce badge-là. Pour que Sam puisse m'accompagner. Oh, j'ai pris des dégâts là. Ouhouhou. Non. Ah, qu'est-ce que c'est beau, cette petite musique sympathique quand tu montes d'un level, quand tu montes d'un niveau. C'est super beau. Bon, on va fouiller. Hein. Maquette de vaisseau spatial. Voilà. Alors, on va aller voir un peu pour les niveaux disponibles, ce que je vais pouvoir faire. On va aller voir ça tout de suite ensemble. Et peut-être qu'ici, je vais récupérer un badge. Du spray. Oh, code d'accès d'espace de stockage. Oui, je l'ai trouvé. On l'a trouvé, Jim. Super, bah, je pense que c'est ça. Je vais enfin pouvoir aller voir pour l'espace de stockage. Donc, j'avais pas bien visité. Ou je suis peut-être jamais venu dans cette pièce. Parce que sinon, le badge, je l'aurais déjà. Voilà, tout simplement. Bon, bah on est bon, le système de badge, je l'ai récupéré et je suis bien content. Alors, on va aller voir les points d'avantage. Non, pas les points. Les points d'avantage, qu'est-ce que ça me donne? Voilà. Alors, j'ai 10 points disponibles. Dis-moi un peu, Jim. Moi, toi qui es spécialiste du jeu, ah, je vais te demander beaucoup de choses. Dis-moi un petit peu, au niveau des avantages, ici, après on ira voir pour les compétences. Avantages. Qu'est-ce que je peux prendre? Qu'est-ce que tu peux me conseiller éventuellement? Alors, ici, il y a le stratège temporel. Stratège temporel. Ici, on a le loup solitaire. Dégâts en solitaire. On a le grand pas. Je ne sais pas si c'est vraiment bien visible sur le live. Les écritures sont petites. C'est trop petit, d'ailleurs. Alors, il y a le guépard. Alors, c'est pour tout ce qui est... alors, en fonction des guns que tu aimes, utilise ce que tu aimes faire. D'accord, ok. Ça, c'est un choix personnel. Il n'y a que moi qui peux décider au niveau de mes avantages. D'accord. Merci de ta réponse, Jim. Ah, pas de souci. Précision. Voilà. Ouais, c'est tout le temps par rapport à résistance. Vous posez une efficacité d'armure à base qui se cumule avec n'importe quelle armure portée. J'ai gagné 5 efficacité d'armure de base. Là, on a quoi? Votre jauge de dilatation temporelle tactique se recharge bien plus rapidement. Je pense que je vais prendre ça. Ou de l'XP peut-être, je ne sais pas encore. Vos compagnons ont beaucoup à prendre. 50% d'XP pour les ennemis tués par vos compagnons. Ça peut être bien. Et après, il y a les marchands.
Ah, il y a ici, dans dégâts en solitaire, plus 25%. Aussi, ça peut être bien le, sou, le loup solitaire. Mais on va utiliser les compagnons, non? Je pense ça. Ce n'est pas eux qui sont là, mais c'est... Ok. Entretien parfait. Non, mais je pense que je vais prendre... Je vais prendre l'XP. Allez. Moi, j'ai monté un perso pour moi, d'accord. Ok. Ah bah, il est trop tard, je pense que j'ai choisi. Ah non, pas encore. Ouais, je vais prendre l'XP. Pour les habitués par un compagnon. Allez, on prend ça. En fait, t'es plus... dans l'histoire lui-même, est-ce que t'as utilisé énormément tes compagnons ou tu l'as fait, l'histoire, tu l'as fait plus en solitaire? Est-ce que t'as été plus dans le solitaire ou tu as utilisé tes compagnons, Jim? Juste pour savoir, hein, parce que je sais que chacun a sa façon de jouer. Voilà, c'est surtout ça. Parce que les compagnons... mes compagnons, d'accord, ok. Alors, bah, je vais prendre ça. Je l'ai pas choisi. Appliquer. Accepter. Voilà. On prend ça. Alors, ensuite. Alors, moi, je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre les dialogues. Là, la furtivité, c'est pas très, très, très bon. Qu'est-ce que je vais prendre dans ces 10 points? Dialogue. Dialogue. Défense. Je vais reprendre de la défense un peu. Voilà. Je vais reprendre de la distance et du corps à corps. Furtivité, je suis pas très bon. Discrétion, piratage. Mais pourquoi je suis dans le rouge? Parce que ça, c'est par rapport à mon armure. Voilà, je suis dans le rouge parce que c'est mon armure qui fait que je peux pas être discret, bon en piratage et crochetage. Je pense que c'est ça. Leadership, on va en rajouter un peu ici. On va essayer d'équilibrer un peu tout ça, hein, voilà. Mm-hmm. Défense, 35. Ah, allez, on va reprendre un peu de défense, plus 41. Et du corps à corps. Corps à corps, bien que je ne suis pas trop corps à corps. Non, distance, allez. 38. Mm-hmm. Alors, et après, technologie ici. Voilà. Ah oui, non, attendez. Faut pas oublier d'appliquer. Chose que j'oublie de faire à chaque fois. Voilà, là c'est appliqué. Avantage, c'est fait. Les détails. Voilà. Le level max c'est 30. D'accord. Ok, Jim. D'accord. Alors ici, on va revoir, faire un peu le tour de l'inventaire. 165. C'est quoi ça? 165 niveau 9, c'est le même type d'arme. Pistolet automag. Moi, ouais, c'est le même, donc celui-là, on peut le démanteler. Voilà. 400 niveau 10. Alors, les options, je crois qu'on peut les réparer, non? Voilà. Ok. Ah ben pourquoi tu l'as retiré, s'il te plaît? Non, j'ai fait une boulette là. Pourquoi j'ai retiré cette arme là? Là j'ai une mitrailleuse, j'ai un fusil tactique. Les fusils d'assaut, il n'y avait pas un fusil d'assaut? Ouais, oh, niveau 5, non, il n'est pas terrible. Dégâts 28, non, c'est pas terrible, je vais le démanteler. Alors ça c'est quoi? 44, niveau 3, je démonte aussi. Ça, je vais garder. Et ça, je vais garder. Ok, bon. L'armure, le casque. Alors, je suis content. Je vais pouvoir enfin récupérer les pièces qui me manquent pour Sam. Voilà. Bon, je pense qu'on n'est pas trop mauvais. Oh, au niveau rebut, ça commence à être un peu limite. Faut que j'aille sur un établi, mon ami. Ouais. On a sauvegardé là quand on est bon. Et on va du coup retourner dans cette fameuse cuisine. Fameuse cuisine.
Ouais, ça c'est un fusil à pompe. Voilà, ça c'est du lourd là. Alors. Gros plan sur le... Ok, voilà. Mais ce jeu-là se joue pas en coop. On peut pas jouer en coop, je pense pas. Ouais, superbe. Enfin un accès pour cette réserve. Et c'est ce qu'on cherchait depuis tout à l'heure. Voilà, j'ai trouvé le macérateur acide. Eh ben ça c'est magnifique. Non, je pense pas qu'on peut jouer en coop dans ce jeu-là. J'ai pas vu le mode coop. C'est plus du solo, hein. Armure de soldat standard. Alors. On ramasse. Oh purée, j'ai du mal vraiment. Oh. Carabine plasma, ça peut être bien ça. Contre les robots. Voilà. Ok, ça c'est quoi? Bah c'est rien du tout. Alors ici, apparemment, on a un terminal. On va aller dans les registres de l'armurerie. Pistolet. Ok. Ouais, et puis il est bien, il est pas mal Sam. Hein. Il se repose dans mon vaisseau. Il attend tout simplement cette fameuse pièce pour pouvoir m'accompagner. Là, on pourra du coup retourner. Bah, continuer le reste de la mission. On va continuer à explorer quand même. Hein. On va pas vouloir. Je vais pas me sauver très rapidement de cet endroit. Là, il n'y a plus qu'à. Ah! Attendez, j'arrive, c'est l'heure de ma morphine, j'arrive. Voilà, re tout le monde. Voilà, je vous ai mis un petit lien également pour la monnaie silver. Hein. C'est une monnaie qui est distribuée pendant votre présence. Hein. Bon, là, je donne pas d'informations sur ma page d'accueil. Comme ça, c'est celui du direct. Pour ceux qui ne le savent pas encore, vous gagnez de la monnaie en ce moment. Par rapport à votre participation au chat. Et avec cette monnaie, vous pouvez repartir. C'est une monnaie virtuelle, bien sûr. Hein. Pas de la vraie monnaie. Vous pouvez repartir avec les différents lots qu'il y a dans la boutique. Tout ça c'est gratuit, c'est pour vous. Ça vous coûte rien. Bon, il faut quand même une certaine somme pour pouvoir repartir avec un lot. Bien sûr, je ne vais pas lâcher comme ça les gros lots aussi rapidement, bien sûr. Je l'ai déjà fait, j'ai déjà donné des lots assez intéressants à des anciens viewers. Voilà, ils sont déjà repartis avec un casque, jet ski, un pack clavier souris. Pack clavier souris, comment dire. Casque. Voilà. Il y a eu quelques jeux déjà de distribués. Alors, il y a un moment, je l'avais arrêté cette boutique. Voilà, pour des raisons que je vais pas évoquer. Là, je l'ai remis en place, mais ça reste plus dans le discret. J'en parle très peu. J'en parle simplement.
pour ceux qui sont ben, présents sur le live, tout simplement. Voilà. Voilà, dès que vous êtes là, ben, j'en parlerai un peu entre deux. Alors, ici, il faut repartir dans le vaisseau. Je précise que l'envoi, je vous demande rien. Tout est à ma charge. Concernant l'envoi, dès que vous réservez un lot, je m'occupe de tout. Bon, bien sûr, je suis obligé de me demander votre adresse. Hein, j'ai pas vraiment le choix. Mais ça restera vraiment, vraiment dans l'anonymat le plus possible. Voilà. Je vais pas m'amuser à divulguer vos adresses. Hein. Voilà. Et par la suite, bah, si selon l'évolution de la chaîne, je vais certainement rajouter d'autres lots. On verra bien. Pour l'instant, je laisse ces lots-là et puis on verra bien. Voilà. Alors ici. Ah, puis ici, c'est quoi? Crochet magnétique, c'est on va prendre. Tout le temps intéressant, ces fameux crochets magnétiques. Ok. Y a pas des petits trucs à ramasser. Bon, ça, les distributeurs, malheureusement, je ne peux rien faire. Je ne peux tout le temps pas vendre. Est-ce que j'ai bien remis mon micro? Oui. Je l'ai bien remis. Ça, c'est... On va retourner là. On va rentrer dans l'imposteur. Vous avez obtenu le système de et servitude. Ça, c'est mon établi. Le robot est dans les toilettes. Alors, attendez, il est où? Où est-ce qu'il est? Mon petit Sam. Sam, il est où? Je m'en souviens plus. Il doit être là-dedans, je pense, non? Oh, c'est quoi ça? Oh, j'ai déjà vu ça. Sam, tu es où? Non, il est passé où? En fait, Parvati et Félix sont restés dans le vaisseau. Moi, je m'en souviens plus. Non, c'est pas là. C'est pas là. C'est pas là non plus. Quoi ça déjà? Près des escaliers. Oh là. Alors avec le décalage. Le décalage du live. Alors attends. Je vais regarder. Direct dans. Quand tu. Alors direct quand t'as monté à droite. Alors attendez. Ce serait pas là-haut là, quelquefois, non? C'est pas là. Attends, je vais attendre avec le décalage du live. Là, je me positionne ici. Est-ce qu'il faut aller là, dans cette pièce-là? À l'échelle ou passer par ici. Voilà. Bah, je pense que d'ailleurs il y a. Voilà, je vais attendre un petit peu avec le décalage de Twitch. Direct quand t'as monté à droite, donc il faut aller là, à mon avis. Je pense. Direct à droite. Ici, c'est ça? Monte les escaliers. Ouais. Ah, ben il est là. Oui. Bonjour, Sam. Voilà, mon petit Sam. Ah, merci, Jim. Après, je vais vite, hein. C'est vrai que je bouge vite. J'ai la bougeotte, hein. J'ai bougé énormément. Donc, voilà. Merci, Jim. Initiating initialization sequences. Voilà. Greetings, customer. This SAM unit is unable to locate your registered information. Would you like to register your SAM? Bah oui, bien sûr.
On va enregistrer notre Sam. Registering new owner. Captain. Alors, on va lui poser la question de savoir de... Allez, je suis curieux. Je te laisse, je t'en occupe. Je te laisse t'en occuper alors. Non, on va lui demander de... Voilà. Fully assembled in a 12x12 corrugated steel box. Non, je veux dire que j'aimerais en savoir plus sur toi. Alors Sam, tu peux m'aider à faire le ménage dans cette colonie. Ah bah, on va pas aller hein. Équipé d'un embout lance-flammes réglementaire, améliorer votre équipement dès aujourd'hui et faites feu à volonté. D'accord. Voilà. Et puis bienvenue, bien sûr. Bon, il est chouette ce petit Sam. Franchement. Donc, ça c'est fait. Concernant Sam, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'il me reste comme mission? Regardez ça dans, les, dans, 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 la, dans le journal. Sur quoi je peux partir d'après vous? On peut essayer d'aller fouiller le domicile de Zoé, peut-être, pourquoi pas, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Parce que là, ici, pour le passeport, pour l'aventure, je n'ai pas, j'ai pas... Il faut acheter la clé. Il faut acheter... Ah, attendez. Attendez. Ouais, on verra après. Parce qu'apparemment, Félix et Parvati, je vais pouvoir les modifier, peut-être, on dirait. Je ne sais pas quoi prendre. Et là, c'est la quête de compagnons. Il y a le vin saphir. Présenté Parvati. Parvati a très envie de rencontrer Julie, l'ingénieur du percurseur. Elle vous a demandé si elle pouvait vous accompagner la prochaine fois quand vous vous y rendez. Je fais quoi? Je fais une mission de compagnon. Est-ce que je fais ça, la mission aussi? Je ne sais pas ce que c'est cette mission. Collecter la redevance de concession funère pour gagner un peu d'argent peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut faire ça? D'après vous. Ah, je sais pas quoi prendre. Gardez un œil sur votre progression et votre histoire. Oui. Alors. Oui. Ah, je vais faire ça. On va faire ces petites missions-là. On va collecter les, le truc de redevance. Allez. Voilà. On va faire ça. Et on verra bien. Si ça peut me ramener... Ouais, je pense que c'est toi qui me l'avais dit. Il faut être bien prêt. Bien préparé avant d'attaquer pour le passeport. Alors, c'est pour ça que je vais faire des petites missions annexes. Je vais faire ces petites missions-là où il faut collecter... Ben faut collecter des objets quoi, je sais plus. Oui. Non, c'est pas ça. Alors on va. Oh, c'est quoi ça? On va partir. On va quitter cette planète. Voilà. Ici, c'est ça qu'il faut faire. Donc on faut partir sur Terra. Je pense que ça doit être ça. On part sur Terra, allez. Alors attendez, centre du joueur. Alors, donc fais des quêtes, cherche du boulot, oublié par les compagnons. Bah ce que j'ai choisi, c'est bon d'après toi. Alors je vais quand même sauvegarder. Regardez. Ça, cette mission-là, d'après toi, est-ce que c'est bien ça? Ou la mission des compagnons, tu veux que je fasse ça?
Lydia, Ellie à l'infirmerie du père que sera Max à l'église de Wet Waters. Et alors, Terra 2. Ouais, bon, on part sur Terra 2 alors du coup. On fait ça? On collecte la redevance? Ouais, on va faire ça. Ouais, allez. We are now in orbit above Edgewater, Captain. Allez, on y va. Alors, je prends quoi? Qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends mes trois compagnons? Où je prends que notre ami Sam. Les PNJ, d'accord. Alors, du coup, je prends quoi? Bon, je vais prendre Sam. Allez, on va faire un tour à petite Sam. Allez, on prend Sam. Continuez. Voilà. Ouais, ça sera... Ça restera de l'exploration, on va dire. Voilà. Allez, on y va. Ouais, mais regardez comment il est beau ce jeu. Il est beau, mais franchement, il est, graphiquement, il est super beau. Hein. Ok, bon, ça. On y va. On va aller. On va explorer un petit peu cette planète. On va discuter. Trouver les PNJ. Guess the boss finally came to his senses. You ever swung a truncheon? Let me see your rifling stance. I want to make sure you're up to snuff. 2500 par tête, ça c'est intéressant. Alors, vous avez déjà manié la matraque, montrez-moi votre posture de tir. Je vais juste m'assurer que vous avez les capacités. Ah ouais, d'accord. Et lui, il réclame. Alors, je fais quoi? Je discute avec lui. Parce que là, il réclame carrément sa redevance. Hein. C'est Silas qui m'envoie. Vous lui devez une redevance de concession funéraire. Voilà, on va discuter avec. 2500 par tête, c'est pas mal. Awaiting kill command. Hein? Contaminants in need of sterilization. Comment? Detected in the area. Just my luck. I ask for backup and the boss sends me one of them simple folk. Mm-hmm. All right. Listen real close. Mechanicals. Creatures forged in the fires of malevolence. I seen them over by the old power plant. Clattering about, firing at the birds, orchestrating their uprising. When the swarms of mechanicals come clanging on over that hill, where will you be? D'accord, Jim. J'irai voir, cowering oui. Beneath your cot? J'irai voir le shérif. Standing, shoulder to shoulder with the resistance. Après, on peut accepter ça. Hein. Si votre résistance a besoin d'un autre combattant, je suis libre. Qu'est-ce que je lui réponds, moi, dans cette histoire? Ou je réclame tout de suite la redevance de concession funéraire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Du coup, j'ai un doute, je sais pas. Est-ce que je vais pas rentrer en conflit avec lui du fait que je lui réclame la redevance? Je ne sais pas du tout. Je sais pas quoi mettre, je sais pas quoi lui répondre. Je vais attendre avec le décalage. Hein. Ou je le laisse, tout simplement. Je quitte la conversation. Ou j'ai d'autres questions à poser, je sais pas.
Ok Jim, je pouvais faire sans... Je sais pas après, donc on va réclamer la redemande de la concession funéraire. Voilà. I told Silas I'd pay my dues if he agreed to join the resistance. Guess this means he's finally heard the calling. Ok. Ça donne de l'XP. Et évidemment, et il réclame un petit supplémentaire. Oh non, on va pas lui mentir quand même. Déjà, ma réputation, elle est pas très 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 bonne. Et un mec zinzin qui croit que les robots veulent prendre le pouvoir. Ouais, oui, effectivement. Bah, je vais le laisser, hein. On va pas continuer à discuter avec lui. Ou je me propose dans sa résistance, mais est-ce que ça va pas chambouler l'histoire? Parce que là, je suis un peu perdu. Tu peux accepter sa quête. Allez. I've been gathering up a war chest over the years. Ça me ramènera de l'argent. Tuna cans, mostly. Some spaces chaw. Few bit cards. I'll reward you for your aid. Mm. Persuasion, la vraie armée paie des primes d'engagement. Bon allez, on va faire ça. Investment fees. Yeah, I suppose. Wouldn't want to give the resistance a bad name. Ah, j'ai obtenu une cartouche du coup, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire? They have sent a scout prowling around the junkyard just behind our beloved. D'accord. Du stuff et c'est rigolé. Must not be permitted to return to its base of operations. Cross it off, then report back. Voilà, plus que t'acceptes de mission, plus que tu gardes du fric, quoi. Alors. Si je vais aller traquer un éclair auto-mécanique, je vais avoir besoin de quelques conseils. Allez, on va l'écouter. De l'XP, d'accord. I think the technical term is the blue glowy square thing. Bon non, bon, on va le laisser, voilà. Allez. Voilà, donc ça c'est fait, une mission supplémentaire en plus. Le shérif. Bah non, moi je pense qu'on part directement sur sa mission à lui, non? Je pense. On va aller voir ça. Ok. Je pense que du coup il m'a mis une autre mission en route alors. Ouais, je pense. Le contrat. Ok. Alors, bon, on va aller voir un petit peu. On va aller un petit peu sur ces différents contrats, voir un peu. Vu que c'est balisé. Oh, allez, voilà. On va prélever les redevances. Voilà. Bah j'ai pris que... Du coup j'ai pris que Sam. J'avais envie de tester Sam. Ouais c'est vrai que j'aurais pu prendre Félix ou par... Ah je sais plus le nom de la fille. Parvati, voilà. C'est ça. C'est vrai que j'aurais pu prendre d'autres compagnons. J'avoue. Shit. Silas still on about that. Here, take the fees. Voilà, on va collecter les redevances. Ok. Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid the bill. Il s'est fait sauter le caisson, d'accord. Vous devez payer la redevance de la concession de votre voisin. Ouais. Max Visser dans l'église. Shame though. Eugene was a good worker. Woke up one morning and put a round through his upper story. Can't imagine why.
De se coller un poudon dans la cervelle, ok. Sympa. Between the two of us, I'm pretty shocked his weapon didn't misfire. Spacer's choice handguns aren't the most reliable. Là, c'est horrible, bien sûr. Not half as awful as the bill Eugene left us with. Suicide's a crime. Tu peux le recruter, mais d'accord. On va le recruter. On va voir un peu. Le suicide est un crime. Le terme juridique, c'est préjudice irréparable sur un actif de l'entreprise. Ce qu'a fait Eugène, ça s'appelle du vandalisme. D'accord. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Arrêter son cadavre? Du crédible, il a crépi le mur et avec des morceaux de cervelle. I'm plenty serious. In fact, I'm a little upset Eugene didn't think things through. In other words, Edgewater would have been penalized pretty hard. Whatever Eugene was worth as an asset, we would have had to pay out of pocket to Spacer's choice. C'est une personne pas nulle valeur. Well, excuse you. Mm-hmm. I'll have you know, Eugene was an asset to us all. May his atoms be commended to the law. All I know is Silas asked me for Eugene's gravesite fees, which means he was approved for burial, which means his papers went through, which means the town's in the clear. I'm just glad to put this whole ugly affair behind me. Eugene can rest his bones in peace, and the rest of us can get on with our own lives. Voilà, ça c'est fait. Ah, c'est vrai qu'au niveau compagnon, j'aurais pu éventuellement... Bon, c'est pas grave, hein. Ouais, là, c'est considéré comme du vol, donc c'est pas la peine. Allez, on y va. On va aller faire le reste des... la collecte des redevances. Yes, Mr. Thompson. I'm fine, Mr. Thompson. Never been... Well, Did Mr. Thompson send you? Well, you tell Mr. Thompson I'll be right at my post. Tomorrow. Bright and early tomorrow. Because I'm definitely not plagued. As spry as a spring chicken. That's old Abernathy. And what are you doing here? Visiting? Well, let me give you the grand tour. This here's my domicile, and there's the door. Ben, y a pas la peste, hein? Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to pay up. He knows. I'm dying. I'm not long for this world. Ah, il est mourant quand même, d'accord. The end of my expiration is fast. J'en ai plus pour longtemps. And soon I shall be ushered through the great cannery in the skies. D'accord. Ouais, il est vraiment malade alors. Plague. Ok. Silas knows. He knows I got one foot in my grave, and now he wants to charge me for the other one. Ça m'attriste pour toi. C'est de la paranoïa. Une stratégie à faire pleurer dans les chaumières, mais je ne doute pas. Paie-moi. Pour que je puisse m'en aller. Bon, on va un petit peu anticiper dans cette. Voilà. Donc ça c'est fait. Et après il reste la concession de Conrad. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors, je vais régler les frais, je ne veux pas avoir d'ennui avec Silas. Mais si je pouvais aussi profiter de tes services de mercenaire, ça me serait bien utile. Eh ben, je vais accepter ces services, peut-être que ça me donnera une autre mission.
Bah tu n'as pas les moyens. Ah ouais. Alors qu'est-ce que je prends là-dedans? Qu'est-ce que je vais répondre? Pourquoi je suis mercenaire selon toi? Tout dépend de quoi il est question. Qu'est-ce que je vais lui répondre à lui? Je n'en sais rien. Couple hours out of your day and some light second story work. Ce qui dit qu'il n'y a pas les moyens de payer en plus. There's a cache of anthracillin tucked away in the old. Ah si, récupère des stocks de médicaments. Bon, moi ça me fait une mission en plus. I need you to break in, nab that medicine and bring it back. Bon, c'est bien. Petite mission supplémentaire. Bah, je m'en occupe, allez. Voilà. With your haste, I think I feel the plague spreading. Oh Lord, it's in my spleen now. I can't. Bien. Alors, il y a quelque chose que je dois savoir sur le centre communautaire. Je prends énormément de risques en me faisant confiance, tu le sais. Just keep your ouais, est-ce que j'ai fait le bon choix du coup? Marauders have taken over. Probably tracking mud all over the archives. Mm-hmm. I know that, but I got nobody else to turn to. Voilà bien. Reed would have wrote me up. Constable would have locked me up and wrote me up. Et j'ai une petite mémoire donc au niveau de l'histoire. J'oublie assez vite les interactions qu'on peut avoir rencontrer avec les différents personnages. Alors peut-être que je fais des erreurs, on verra bien. Tout simplement. Bon, dans le pire des cas, je sais que j'ai une boîte de médicaments à les récupérer. Alors ici, il faut aller là-bas. Non, c'est de l'autre côté. D'accord, je passe au mauvais endroit. D'accord. Voilà. I can't possibly cut anyone's hair in the dark. Allez, pour la redevance. Ah, gravesite fees. Silas and I had talked about this at length. I thought I'd made it clear my pecuniary situation precludes the necessary restitutions. Il est fauché, ouais. Je ne comprends pas un mot de ce que vous dites. Vous êtes fauché, quoi. As broke as pie crust, friend. Comme les blés, sans le sou. D'accord. Lui, il n'y a pas de sou, lui. I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. When I expire, I expect Silas to toss my body into a ditch. Je m'en fiche, faut payer. Alors, vous avez une notion bien vague de la prospérité. Vous avez le sens de la dramaturgie. Conrad, vous devez songer à en faire votre métier. Je n'ai pas les moyens, je suis qu'une tâche sur la prospérité, nanana, quand je mourrai, je m'attendais. I have to be, if only to prepare myself for my inevitable dressing down at the hands of corporate. Tell Silas I can't afford to pay, and that I fully expect to have my là, j'ai déclenché une autre quête. Ok. Faites une reconnaissance de death à Silas. Attendez vos droits médicaux. J'attends à ce que mes droits médicaux soient révoqués en conséquence de ce refus. Toutes mes excuses. Bon, on va faire ça. Bad idea. But I'd need some kind of collateral. My pair of lucky clippers. No, that won't do. Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't have anything to give Silas. I'm open to suggestions. Ah, mais j'ai encore des pertes d'image. Comment ça se fait, ça? C'est bizarre, quand même, que j'ai ces fameuses pertes d'image. D'habitude, je suis pas embêté comme ça. Désolé, hein, si ça drop un peu sur le live. Much obliged. Bon. Alors, lui, je peux pas récupérer sa redevance. Alors ici, on a quoi? C'est quoi ça?
Silas. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Collecter la redevance de conception funéraire. Silas. Bon, on va aller voir Silas. Voilà. Il est là-bas. Oh. C'est joli là. Joli personnage, paysage plutôt. Don't see the sense in all this fussing over the power. Cannery shutting down just means I'll have more bodies to bury. Je ne comprends pas pourquoi tout se fait autour de l'électricité. Si la conserverie ferme ça, ça me fera juste plus de corps à enterrer. You run into any trouble? Conrad dit qu'il n'a pas les moyens de payer. Conrad's barbershop is a yawning pit that swallows his every bit. I keep telling him he should cut a few corners, skimp out on the disinfectant. You gotta put the squeeze on Conrad. Find some dirt on him. Maybe check his back room. Trouver des choses compromettantes sur lui, vous deviez fouiller son arrière-boutique. Vous me suggérez de l'extorsion. Bah, je vais aller jeter un œil, hein, tant pis. Hein. Ouais, je sais pas. That's the word, extortion. De toute façon, il va falloir fouiller sa boutique. Hein. Allez. Donc ça, c'est fait. On retourne de l'autre côté. Voilà. Et quelques quêtes qui se sont mis en place. Hein. Alors, attendez. Sauvegarder. Ouais. La boutique. Il m'a parlé d'une boutique. Je comprends pas. Et lui, pourquoi il est encore... Ouais. What can I do for you? Go ahead. Edgewater has been good to me. I consider myself privileged to work here. I am never wanting for work, not since the plague started. The plague's come at us with a vengeance this year. Lost 6 workers in as many months. I wouldn't call them good workers, mind you. If they were any good, they'd have been treated. Still, it is a shame. Fever, chills, fatigue, aching, vomiting, an excess of phlegm, a tendency towards belly aching. Whatever it may be, I have developed my own palliative. Boiled canid liver and a splash of ethanol. Company policy, friend. We don't have enough medicine to treat all of us, so we treat the best among us. Alors, vous n'avez pas assez de médicaments pour soigner tout le monde. Alors, on ne s'occupe que des meilleurs d'entre nous. Mr. Thompson's brainchild. Have you met him yet? Thoughtful looking fellow, stares out of his office most hours. Contempler la ville depuis son bureau. Bon. Alors, qu'est-ce que je dois faire du coup maintenant? Parce que là, je suis perdu. Qu'est-ce que je dois faire là? C'est quoi ça? C'est. Ouais, mais ça me dit pas où je dois aller.
Alors, ça c'est quoi ça? La cantine. Le cimetière. Ah, mais j'arrive pas. Salon de coiffure. Oui, mais alors, j'ai pas. Il m'a déclenché d'autres quêtes, mais je les vois pas sur le reste de la carte. Je comprends pas. Sam, c'est quoi ça? Ah, alors attendez, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? J'ai pas tout compris. Ah oui, il faut lui donner un peu d'XP aussi à Sam. D'accord. Santé de base. On augmente le niveau de menace de ce compagnon lorsqu'il s'attaque. Lorsqu'il attaque des ennemis pour le rendre plus enclin à attaquer. Augmente le niveau de menace du compagnon. Dissuader. D'intimidation. Et dans ce groupe. Ouais, je prends ça. Voilà. Alors là, il est en mode standard courte portée, agressif. Ok. Bon, bah je pense que je vais couper les 12h40. Ouais, donc j'avais prévu d'arrêter vers 45. On va stopper pour ce matin. The Haunted War, je continuerai demain, je pense. Demain matin, mon ami. Si tout va bien. Merci encore à tous d'être passés. Merci pour votre aide. Merci Jim pour ton aide également. Et puis bah, je vous dis bon appétit. Passez une bonne journée. Merci Oulwin également. Oulwin qui est passé. Il y a Guest également qui est passé sur le live. Enfin, merci à tous quoi. Merci pour votre présence. Je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée. Profitez bien de votre journée également. Et puis, certainement tout à l'heure, certainement en fin d'après-midi. Voilà, si tout va bien, je vais... Moi, bon, je pense que je vais continuer du Ghost Recon, à mon avis. Repartir un petit peu sur du Ghost Recon. Voilà un peu le programme d'aujourd'hui. Allez, ciao, ciao, et à bientôt. Bisous, bisous.